Vous avez 46 ans. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Bonjour à tous. Bonjour. J'aimerais qu'on revienne, si c'est possible, sur les évaluations comportementales. Encore les évaluations. Quand est-ce que tu peux voir Dalma? J'ai pas le temps. Pas avant la fin du mois. Tu le fais patienter. Il a reçu ton mail, il comprend pas. Pourquoi vous acharnez sur moi comme ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Écoute, ça tombe sur toi, mais tu vas assurer. T'es la meilleure. Dalma venait de se séparer de sa femme. Certains disent qu'il était en dépression. Didier Dalma s'est jeté dans la cour, devant tout le monde. Le message est clair, non? J'ai besoin de tous les documents qui le concernent. Il y a déjà une enquête. La mienne permet d'engager des poursuites au pénal. Il va pas falloir laisser traîner des choses qui pourraient se retourner contre nous, tu comprends? Personne ne sait qu'il a cherché à me voir. Moi, je le sais. J'aimerais comprendre pourquoi vous venez me raconter tout ça. Je peux être la seule à payer. Vous pourriez devenir un exemple. Ça pourrait libérer la parole dans des tas d'entreprises. C'est ça que tu cherchais peut-être, non? Tu t'es réveillé un bon jour avec une bonne petite morale toute neuve. Mais t'imaginais quoi? Que c'était facile? Et tout ce que je vous ai raconté? Pour l'instant, c'est votre parole contre celle de tout le monde. Qu'est-ce que tu fous avec l'inspection du travail? J'essaye de m'en sortir, ok? Tu sais pas ce que j'ai fait. Tu sais pas qui je suis. Ça a été un plaisir de travailler avec toi.